Hello, bonjour à tous et bienvenue dans le Nether de Holycube avec la salle à potions et bien sûr mon jeu qui tourne à 30-40 fps. ça m'agace ceci. Ouais, je suis venu ici juste pour me faire des petites potions de heal et en même temps on va papoter un petit peu. Encore une fois, vous allez m'entendre râler sur ce snapshot. Oui, encore, je sais. Hop, tout va bien là-dedans. Ouais, c'est bon, ça marche bien. Il faudrait juste qu'il y ait une petite modification qu'il faudra mettre en place. Surtout, ça sera vert avec les items qui font que bugger et monter dans tous les sens. Ben, je crois qu'on va être obligé de reproduire le même design que celui-ci. Ceci dit, est-ce qu'on peut monter aussi haut? Ouais, il faudra en faire un double. Bon, on verra ça en temps voulu. Donc du coup, mais aujourd'hui, on va se faire des potions de heal. Hop, on va poser ce dont on n'a pas besoin. Et on va aller taper un petit peu du wither. Et puis en même temps, on va faire la papote. Parce que moi, en fait, je suis super dégoûté. Parce qu'en fait, j'avais prévu de vous organiser un petit... commencer à discuter avec vous de la future salle à potion. Future ferme à Enderman. Et en fait, eh bien, il se trouve que on va se faire une speed de 8 minutes aussi. Et il se trouve que faudra faire aussi des résistances au feu, je le ferai hors cam. Il se trouve que vous avez pu le constater sur certains trucs, notamment sur la ferme à XP des Enderman, ça bug. En fait, les tripoyeurs réduisent le taux de spawn. Et pour le moment, on ne sait pas si c'est une modification dans le jeu. Ou simplement si c'est un bug qui engendre, ça arrive lorsqu'il y a des modifications, quand on vient taper sur telle ou telle modification dans les classes, d'avoir des incidences qui arrivent sur d'autres trucs qui sont imprévus. Ça d'ailleurs que servent les snapshots. J'ai peut-être pas appuyé sur on aussi. Bon, effectivement, si j'ai pas appuyé sur on, pour vous, voilà, on attend un petit peu. Boîte des schtroumpfs. Est-ce que du coup le truc a été envoyé? Ça m'agace. Ça c'est dû à un bug redstone. Est-ce que le truc a été envoyé? Ouais, le truc a été envoyé au-dessus. Au-dessus c'est bon. Alors je pense savoir pourquoi. C'est que la première fois le truc est parti. Et du coup, pourquoi il m'a envoyé une impulsion à un tick ici? Vous avez vu tout à l'heure, il y avait le sticky piston qui était décollé. Donc c'est-à-dire qu'il y a une impulsion de un tick qui est arrivée ici. Et comment elle a pu arriver à un tick? Comment je ne le sais pas. Et je ne l'explique pas. Bon, c'est pas bien grave. Et donc du coup, ouais, je disais, ces bugs au niveau de... bug ou modification de gameplay ont une incidence directe sur les usines à Enderman et aussi sur les usines, dans notre cas, à Wither. Et le problème, c'est que dans les deux, en fait, c'est à peu près le même design pour récupérer ce dont on a besoin, à savoir les Wither. Donc il y a un petit mécanisme de tri au niveau des Wither Skeleton qui est tout à fait faisable. C'est bon. Non, et là il est reparti normal. Et chelou ce jeu quand même. Et donc du coup, ça nous pose un très très gros problème pour faire cette usine. Donc du coup, obligé d'attendre la prochaine snapshot, ou en tout cas peut-être une version beaucoup plus stable de Minecraft, mais pour faire une usine à Wither. Mais comme je sais qu'il y a Zephyr et... Zephyr et Bill, je crois qu'Auré aussi est à leur filer un coup de main, qui ont pas mal posé de dalles sur toute la zone pour maximaliser le taux de spawn. Et on va voir aujourd'hui, faire un petit peu un rappel pour vous montrer que on peut encore optimiser les zones de spawn. Et notamment, on va se prendre quelques dalles. Est-ce qu'on en a? Ouais, on a un petit peu de dalles. On va se prendre ça aussi, un autre truc de dalle. Ah, j'ai pas de table de craft ici. Mais pendant que la potion se fait, on va aller
Ah oui, au fait, j'ai fini la tête de dinosaure qui aurait pu effectivement être une tête de dragon. Mais bon, j'étais parti sur une tête de dinosaure dans l'idée, donc bon, restons sur une tête de dinosaure. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup cette tête, apparemment ça vous a beaucoup plu aussi. Alors, c'est pas du tout symétrique, c'est voulu, c'est parce que ben, les os ont vieilli. Et puis, ah, t'es d'ailleurs, une de ces quatre, il faudra peut-être que je change ça au sol. Allez, poussez-vous les gars. Peut-être que je change ça au sol et qu'on y mette de la glace normale. C'est surtout, c'est aussi, ah, je suis allé trop loin. C'est aussi pour ça qu'on a fait l'usine à glace, c'est pour pouvoir changer tout ça au sol et limiter la zone de spawn des Wither Skeleton, des Wither Skeleton, des Pigmen, puisque là en l'occurrence il n'y a que les Pigmen qui peuvent spawner. Ouais, on va s'en faire encore un petit peu. Allez, hop, on en a plein ici, c'est cool. Et donc du coup, on va voir qu'on peut encore une fois agrandir les zones de spawn. J'en avais déjà parlé dans des vidéos, mais c'est vrai que ça commence à dater un petit peu. Et puis une petite piqûre de rappel pour les nouveaux arrivants, c'est pas non plus une mauvaise chose. Allez, on attrape la potion résistance au feu qui est faite. C'est agaçant. Je sais pas si vous allez le voir. Au final, c'est micro-freeze que j'ai en permanence. Mais c'est très 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 agaçant. Hop hop et hop, allez. Et du coup, on va avec Ju Loot, Ju Oui Loot, plutôt Oui comme Wither, et avec deux I parce que je crois que c'est la deuxième, puisque je l'ai déjà perdu une première fois en tombant dans de la lave. Et du coup, bah, dès qu'il y a un Wither, on va lui faire sa fête. Ouais, toi tu m'intéresses pas, il y en avait un sur la gauche, ouais. Allez, viens là. Et on va essayer un peu de temps. Ce serait presque rigolo que en one shot on arrive à tomber sur un seul. Ouais non, pourtant j'ai bien smite. Bon, là il n'y a rien. On va passer de l'autre côté. Chut, couché. Hop, 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 boum. Ah oui, mais t'es justement ce qu'on va pouvoir voir. Ah, mais non, il faudrait que j'agrandisse. On le regardera après sur l'autre là-bas. Puisque c'est là-bas où ils ont commencé à agrandir la zone. C'est pas trop loin en fait de là. Ben, vous voyez cette zone-là en fait où il y a tout qui a été dallé, qui a été bloqué pour bloquer le spawn des Wither. En fait, faut savoir, c'est tout passe par rapport à ce point-là, par rapport à ce point-là. Faut partir de 9 dans un sens, 9 dans l'autre, 9 dans celui-ci, 9 dans celui-ci, 4 au-dessus et 5 au-dessous, y compris ce bloc, je crois. Et c'est la zone maximum de spawn des Wither, donc c'est-à-dire que la forteresse, ce qu'il y a dans le vide ici, est considéré comme des zones de spawn des Wither Skeleton, ce qui est très pratique. Et donc du coup, ben, la technique pour ça, il n'y en a pas 150. C'est ou on couvre tout de dalles, ou on met de la lave. Mais la lave, c'est un peu embêtant. Coucou! Et donc, du coup, à partir d'ici, ce qu'on peut faire, c'est quand vous vous mettez ici, en fait, vous partez de là et on va tirer des dalles. Hop. Et en fait, en tirant des dalles à partir d'ici, c'est vraiment à partir de cette zone-là. On y reviendra après. On va faire un petit tour autour. Vous voyez que ça consomme beaucoup de dalles. Je ne vais pas le faire en entier, je vais juste faire la première strate. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Wither, quand ils spawnent, ils ont une hitbox de spawn qui est plus petite que leur hitbox de jeu. C'est-à-dire que leur hitbox fait 2 de haut, fait 3 de haut. Ce qui explique pourquoi quand on met un truc comme ça, ou même quand on ne met juste qu'une demi-dalle, il ne passe pas. Mais par contre, ça ne les empêche pas de spawner. Donc c'est-à-dire que ici, si jamais je vais mettre une dalle, ils vont spawner. Et en fait, avec l'épée, ils vont rester bloqués au-dessus. Ce qui est assez, c'est une petite particularité sur les Wither. T'es coucou toi. On te fait ta fête aussi? Bon, rien. Ah, un autre là.
remarque, j'aurais peut-être pu le faire ici. C'est ce que je vais faire. Je vais le faire ici. Donc on va le casser, on va le refaire là-bas. Toujours pas de tête. Ouais, non. Ouais. Je vais couper ici. J'en profite pour miner un peu du quartz, hein. C'est toujours agréable. Alors pourquoi je fais ça? C'est simplement pour limiter le nombre de blocs. Ça, normalement, dedans, rien ne pourrait, ne doit pouvoir spawner. Hop, hop. Et donc, allez, hop, on continue ici. On va juste se faire cette petite rangée là. Et à partir de là, eh bien, on se met ici, on compte deux blocs, 1, 2. Et ici, on peut remettre des dalles. Alors là, ça tombe bien parce qu'on en a déjà d'autres au plafond. Et j'espère que d'ici la fin de la vidéo, eh bien, il y en aura un qui aura spawné ici. Ce qui serait cool. Hop. Je sais pas comment elle a fait pour se fixer celle-là, c'est pas grave. Et au-dessus, comme au-dessus, c'est aussi une zone de spawn. Et bien, ces blocs-là, on peut les enlever parce que ça peut spawner aussi dessus. Mais j'y reviendrai dessus, vous inquiétez pas. De toute façon, dès qu'il y a un mécanisme, en tout cas dès que c'est confirmé que c'est telle ou telle chose qui est mise en place sur les Wither Skeleton, bien sûr. Mais je vous ferai très certainement un tuto sur une usine Enderman. C'est pas le même design que celle de Xisoma parce que du coup, à cause des modifications avec ce bug au niveau de Tripwire, bah, j'ai trouvé un truc qui peut fonctionner et en fait est presque plus facile à construire. Qui je trouve marche à peu près aussi bien. Donc voilà, hop, allez, celui-ci. Et j'espère que quand on repassera ici, il y aura un Wither qui sera bloqué. Allez hop, on va aller voir les copains là-bas. Salut les copains. Allez hop, et d'une tête. Poum, 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 poum. On va continuer à se balader. Mais ça, du coup, c'est vachement bien qu'ils aient commencé à daller partout parce que, effectivement, ça maximalise vachement le taux de spawn. Alors, pour bien le faire, en fait, il faut le faire sur toute la zone. Eh oh, t'es sérieux là? Oh, ces espèces de free, c'est embêtant. Tout le temps embêtant, ces trucs. Allez hop, deux autres là-bas. Toujours pas. Ce qui est bien, c'est que ça va faire plein de charbon. Poum, poum, poum.
Alors, allez, il en faudrait plus. Oui, je sais pas ce que j'ai pu l'effet de feu et de speed. Ça, j'avais l'impression de me traîner en fait. Sinon, que vous dire d'autre? Mais je peux vous dire aussi que le vendredi, pas le vendredi qui arrive, celui d'après, il y aura sur la gaming room petit event, on va dire comme ça, non, un gros event. On va faire un bon live, un bon gros live avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités, beaucoup de personnes. Ça va être super cool. Romain, il devrait avoir Pierre, beaucoup de, très certainement beaucoup de Patrick. Oh, c'est free, c'est embêtant. Et du coup, c'est ce gros live, ça sera surtout pour lancer une nouvelle chose, une chaîne dédiée entièrement à Minecraft sur la Gaming Room. Et ça va être cool. Ça va être super cool. Donc, ouais, n'hésitez pas à transmettre l'information au maximum de gens, à venir pour votre plus grand plaisir. Oh, ils veulent pas me lâcher des têtes, hein. Moi j'ai pas de chance pour ça. Et du coup, un gros live. Et le samedi, très certainement, on est en train de discuter avec Edvy et S2. Très certainement qu'on fera un live sur on fera un hardcore chrono, mais pour une fois on le fera multi, un petit peu comme je l'avais fait avec Tab et j'avais fait ça avec Tab et Maroukou, on avait fait deux saisons, dont la deuxième saison était juste extraordinaire, avec un fail de Tab, je sais pas, peut-être 6-7 minutes de jeu. C'était génial. C'était génial. On était mort de rire. En fait, il était parti attaquer ou la 4. Faut faire attention. 5, sérieux. Allez, venez ici, les copains. Allez, d'abord, vous tombez. Descendez de votre truc, là. Voilà. Oh, mais sérieux, cette espèce de frise, ça m'agace. Et donc, Tab était mort, lamentablement, au bout de 6-7 minutes de jeu, je crois. Donc, on va essayer quand même de faire mieux. On ne sait pas encore exactement comment on va le faire. Mais bon, normalement, on devrait se taper un truc bien rigolo. Ah, ben voilà, il y a. Ah, mais oui, ça c'est. C'était Zephyr qui avait commencé, qui avait fait un tuto dans sa, enfin, un tuto, dans sa vidéo. Pardon, dans sa vidéo, il expliquait le mécanisme de spawn. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important à comprendre, à connaître, surtout quand on veut commencer à faire des usines. Et voilà. Et ça, c'est une des deuxièmes, parce que des fermes à Wither, il y en a pour le moment qui existent. Il y a JL qui avait fait un design dessus, qui fonctionne. Mais le problème qu'il y a, c'est que eux, en fait, au bout d'un moment, ils viennent gripper la machine parce que avant, dans les anciens designs, ils ne spawnaient pas et depuis la snapshot, en fait, ils peuvent spawner. Et ce qui devient très, très, très embêtant parce que du coup. Allez, meurs! Et deux. Parce que du coup, ce qui est embêtant, c'est que. Il grippe la machine, puisqu'on est obligé, comme pour les fermes à Enderman, on est obligé de limiter la chute des mobs. Et en fait, en les limitant, cette chute de mobs, on est obligé de mettre des vines dedans, des lianes. Et en mettant des lianes, et BE, ils ont l'intelligence artificielle qui a été modifiée comme les slimes et du coup ils remontent les petits. Les petits remontent, ce qui devient très 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 embêtant parce que au bout d'une certaine quantité d'entités,
Et bien en fait, il bloque simplement, tout simplement, la machine. Ce qui est problématique, puisqu'on est obligé de ressortir de la zone pour relancer la machine. Et donc du coup, ça devient très embêtant. Ça ralentit vraiment, vraiment la machine. Allez, on va continuer par là-bas, on va voir ce qui se passe. Ah, il y en a là-haut. Essayez de se dépêcher. Copain. Copain, copain. On a toujours que deux têtes. Ah, il y en a d'autres en bas. Bon, ce qui est embêtant, c'est le magma cube. Bon, magma cube, on va le laisser despawn. Du coup, ah, j'aimerais bien vous en montrer un là dans cette zone-là, s'il y en a un qui spawn et qui devient totalement bloqué. Et du coup, peut-être que ouais, d'ici à la fin de l'épisode, ce qu'on fera, je vous montrerai pour moi le prototype de l'usine que j'ai. Et vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça sera pas un tuto, ça sera très certainement une vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui a changé, là, les mécanismes, voire les anciennes. Enfin, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant. Donc, si c'est le cas, je vous ferai une petite vidéo dessus pour montrer que les trucs ont changé. Allez, j'aimerais bien avoir une dernière tête. Et tu m'en gagnes. Coucou, copain. Oh, t'es sérieux? Saloperie de l'arme de Ghast. Alors, est-ce que dans celui-ci, il y aura du monde? Ouais, il va y avoir du monde ici. Alors, le truc là, c'est que je vais d'abord tuer eux. Parce que si jamais ils mettent le feu, ils peuvent me griller les items, les enfoirés. Oh, c'est lag, c'est horrible. J'ai des freeze. Je maudis ce snapshot, réellement. Et de tout mon cœur. Oh là 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 là. Bon, toujours que deux têtes. Et du coup, le spot pour la machine, pour moi que j'ai trouvé, et deux, trois. C'est bon, on a les trois têtes. Mais justement, je vais vous montrer le spot. Ah ben, ça fait 23 minutes de vidéo. Peut-être qu'il y a certains passages que j'accélérerai. Le spot que j'ai trouvé. Alors, j'hésite. Faut que je vois avec les autres membres. Mais en fait, il y en a plusieurs. Le principal, celui qui m'intéressait le plus, je crois que c'est ce bras. Voilà, le bras qu'on voit là-bas en bout. Mais t'es sérieux? Ah, j'ai plus de flotte. Ah ouais. Mais j'étais plus. Ah, vraiment modulo en plus. Hein. Tu aurais pu mourir, lamentablement. Dans un bras qui est complètement en bas. Il y a quelque chose qui peut être intéressant parce que la machine, ben, sauf si jamais on fait vraiment une grosse usine, le problème de la grosse usine, c'est que ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de redstone pour pas forcément une très grande optimisation. Donc, on va voir. Allez hop, ben, écoutez, on repart à la base. On s'est fait nos trois têtes de Wither. Vous avez vu, c'est assez rapide, hein, 23 minutes, on a eu les trois têtes, donc c'est vrai qu'effectivement, déjà, le looting a été amélioré, je crois qu'on est passé maintenant de l'ordre de 3% à 6%, ou 4% à 8%, enfin, le taux de looting a été multiplié par 2, un looting 3, donc ça augmente pas la quantité de ce que vous pouvez avoir en plus, par exemple quand vous tapez des steaks ou autre, mais par contre ça augmente la probabilité que vous ayez plus facilement le maximum. Donc voilà, et eh bien écoutez, ce qu'on va faire, j'ai presque envie de le faire maintenant, allez hop, on le fait maintenant. Je pose juste le matos, je me fais les potions dont j'ai besoin, et puis on va se violer en Wither pour avoir une troisième tête ici, donc je vous dis à tout de suite. Allez, nous voilà.
Bah, il faudrait que je change ça au sol. Je suis pas du tout convaincu du résultat. Je trouve que ça fait beaucoup trop plat avec ces blocs-là, donc on va le retravailler. Mais on va aller dans la mine, vite fait. En dessous, ouais, je crois que j'ai régène 2. Régène 2, je crois que j'ai régène, ouais. Ouais, j'ai régène S2 et respiration. Je crois que la dernière fois, c'était ici qu'on avait violé l'autre. Hein. Du coup, on va pas se priver. Hein. Un truc un poil plus grand. Et hop, 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 poum, 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 poum. Allez, petit wither rapide. Oh, t'es sérieux là, garçon? Allez, mais viens ici. Il s'est buggé au-dessus avec mes flèches qui déconnent. Il est où le porc? Allez, mais viens là. Ah là là, c'est embêtant ça. Quand il vient se bloquer comme ça au-dessus de nous, ça fait ce genre de choses. Il m'a tout cassé. Le premier avait été beaucoup plus facile. Mais bon, on a quand même la Wither Star. Ça peut être sympa d'utiliser un Wither pour faire un minage opti. Wither, régénération. Non, on n'aurait pas à avoir de problème. Donc voilà, et eh bien écoutez, c'est sur ce tuage de Wither en mode totalement YOLO qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Est-ce que ici on a assez de luminosité? Ouais. Ouais. Oh, du diamant. Est-ce que j'ai ma silk touch? Ouais, j'ai ma silk touch. Bah du coup, ouais. Merci Wither. Ah, c'est bon. Alors, ouais. Toujours faire maintenant quand vous faites des diamants comme ça. Ouais, c'est bon. Creusez bien au-dessus parce que des fois, quand on creuse les trucs, ça a tendance à glitcher, ça remonte au-dessus. Et pour peu qu'on soit sur des cavernes, ben, on a les blocs qui sont totalement. Voilà. Là, pour au moins, ça n'a pas bugué. Donc voilà. Et eh bien écoutez, moi je vais continuer à faire un petit peu de minage comme ça pour le plaisir parce qu'en plus, j'ai besoin de beaucoup de redstone. Il m'en manque des quantités monstrueuses. Le temps que Zephyr ait son usine. Pour avoir de la redstone en masse. Et donc ça sera super bien ça. Allez hop, du coup, ben on va juste remonter vite fait sur l'île. Ah, poum, 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 poum. Et du coup, ah ben si, je sais où je vais pouvoir le mettre ce beacon. Je vais pas le mettre au milieu des autres. Hein. Je vais le mettre au milieu de la montagne, ou en tout cas à côté. Parce que j'en ai marre de me traîner. Donc, ben, vous voyez ici, là, je suis plus dans l'influence du beacon. Donc, du coup, je pense qu'on va mettre un beacon en face de cette entrée ici. En face de cette entrée, collé à la montagne, on va mettre un beacon là. Pour pouvoir avoir le speed 2 et monter les escaliers beaucoup plus vite. Ça sera tellement bien. Ça sera tellement bien ça. Donc voilà, et ben aujourd'hui épisode un petit peu papote et puis poutrage de Wither. N'hésitez pas toujours pareil à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je souligne aussi le fait que
Restez courtois entre vous, quelle que soit la raison pour laquelle la personne en face vous a agacé. Notamment si jamais la personne met first et que vous n'aimez pas les personnes qui font first, j'ai envie de dire, c'est votre problème, c'est pas le problème de la personne qui fait first. C'est à vous d'être un peu plus grand que ça. Et après tout, ben, si jamais, moi c'est mon avis perso, je trouve bête que des personnes mettent first, mais après tout, si jamais les gens ont envie d'être bêtes, c'est leur droit le plus strict et vous, vous devez de le respecter. Donc voilà, donc toute personne qui manque de respect à partir de maintenant dans les first, pour moi je ne faisais que supprimer les commentaires. Dès qu'il y a de l'agressivité dans mes commentaires, eh bien c'est un direct ban de la chaîne parce que je ne veux pas de ça sur ma chaîne. Donc voilà, c'était juste pour la petite parenthèse du jour. Allez hop, du coup, eh bien, il fait nuit, moi je vais aller faire dodo. J'espère que cet épisode vous a plu. Demain, malheureusement, pas d'épisode d'Olicube. Très peu de temps pour moi en ce moment. Donc, mais bon, ça vous empêche pas de dire ce que vous en pensez dans les commentaires avec cette magnifique étoile filante. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Portez-vous bien les amis et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao!